Bien quoi la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et je vous avais promis quoi la semaine dernière? Après, c'était la semaine dernière. Bref, fut ou pas? Là, on va aller sur fut, tranquillement. Je vous avais dit, j'ai fait une nouvelle équipe. Enfin, une nouvelle... Bon, je suis allé sur un autre compte hein, pour les personnes plus anciennes. J'ai fait une nouvelle équipe, une ligue 1. Tac, la voici. Bon, on va pas faire des montages de merde. Hein. Vos montages à deux balles là pour montrer une équipe, on s'en bat les couilles. Non, Bellerin, tu vois, tu déconnes, tu vois? Putain, on t'offre ça, tu prends ça, gros, pourquoi? T'es ma réserve. Que des blessés, des prêts, vas-y, nique sa mère, gros. Nique. Putain. Wesh, il est sauvage le mec, qu'est-ce qui se passe, frère? C'est pas l'équipe du concours là que j'affronte. Bref, je te disais, je vais raconter une histoire. Simple, hein, mais vas-y. Story time, let's go. Attends, hop, oulala, il a glissé sur un enfer, lui. Balotelli. Non, Balotelli, c'est une arnaque, hein. Pire que les meufs sur Insta. Lui, il joue les matchs, et tu sais pas si... Wesh, il allait faire quoi, il allait se faire Ken ou quoi? Wesh, non, Balotelli, c'est la plus grosse arnaque. Il sait pas s'il marque ou pas, hein. Il joue comme Matuidi, en fait. Bref, je te disais, je vais raconter une histoire. Bim, ça s'est passé aujourd'hui. Hein. Bon, là, j'enregistre un mardi, mais ça sera un mercredi, je pense. Tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Les cours, normal, et... Le mardi, GPS. Bâtard, va t'enculer. Par des chèvres, putain. Sur la défensive comme un pont levis. Mardi, je te dis GPS. Donc, vas-y, tranquille. C'est pas, on fait muscu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Jusqu'à là, tout va bien. C'est pas la première semaine, tu vois. Donc, les deux premières semaines, on se donnait pas à fond, tu vois, normal. Tu vois, moi, j'ai pas l'argent pour la salle, tu vois. C'est un investissement trop, beaucoup trop élevé pour nos PIB d'ici. Bon, tu vois, ça pousse, tu vois pas, mes bras, ils commencent à. Non. Ça commence, mais c'est pas encore trop bien formé, tu vois. Ouais, ça va. Ok, let's go. Ouais, j'ai encore lui, je l'ai même pas vu. Ça pousse tranquillement. Là, pour vous dire, j'aurai des courbatures pendant toute une semaine parce que j'ai poussé plus qu'il fallait. Parce que moi, je suis un fragile en vrai. Oh, lui, il est super chaud, je l'aime bien. Toi, je t'aime bien, toi. Toi, t'es un petit. T'as un bon futur, toi. Muganjo, toi, le sang de la veine. Oh putain, le pec est énorme. On me demandait pas combien de zéros, y'a Rimbo qui a sorti cric et qui s'y frotte typique à l'héro. T'as plus que la chambre à cracher, t'as plus rien à vendre à cacher. Wesh, l'enfance fait les rocards. Wesh, mais j'ai le niveau d'un freestyle là-bas, qu'est-ce qui se passe? Non, mais. Gros, non, tu vois, je joue pas FIFA pour déconner, je joue pas FIFA pour faire du style comme ça. Je vais te rendre handicapé, gros. Non, j'avais dit qu'il a un brillant futur. Ah, Muganjo, toi, t'es mon sang, toi. Non, il a vraiment poussé à la muscu, c'est sûr. J'aime pas si j'ai fini mon histoire, en fait, hein. Je dois vous mentir, hein. J'avais dit quoi? J'avais dit qu'il a un brillant futur. Oh. Non, j'avoue, j'ai beaucoup parlé, là, quand même. 26ème minute. Non, j'ai beaucoup parlé. Excuse-moi. C'est chez moi, enculé de Taras. Non, mais, hé. Hey. Attends, je vous ai pas dit, mais... Je pense que vous savez déjà, mais attendez. La CAN, c'est une compétition de marabout en fait. C'est une compétition de savoir qui a le meilleur sorcier en fait. Wesh, le Congo, ils ont perdu contre une équipe qui avait un jouet Spider-Man avec lui. Wesh, un gardien qui traînait avec un jouet Spider-Man. Wesh, non. Me dis pas qu'il aime bien Spider-Man. Me dis pas qu'il aime jouer avec. Pendant un match, je joue pas avec un jouet Spider-Man. Je suis désolé. Tranquille. De toute façon, cette compétition, plus personne va la suivre. Qui a le meilleur marabout? Non, ça doit être ça le nom de la CAN. Hein. QLMWM. Ils ont possédé leur arbitre. Je sais pas, ils ont fait quoi. Hein. Mais bref, allez, tranquille. On accepte la défaite. On est allé loin. Fimbou toujours, gros, tu connais. Déjà, on a les comportements les plus atypiques. On égalise juste le score. Hein. C'est même pas, on mène le match. On fait des danses de fou. Non, j'ai juré, c'est un pays atypique. Et blam! Eh, j'avais dit qu'il a un futur brillant, le bourg. Eh, l'enculé, il a mis les 4 buts, hein. Je vous ai dit qu'il a un futur brillant, le mec. Vous me croyez pas, moi, je vous dis ça. Quand j'ai trouvé le titre de la vidéo, Muganjo et le reste du monde. Oh là là, quel titre! Ça va être une série maintenant. C'est quoi, ça va être une série? Série sur fut. T'as ta première vidéo fut, on a déjà le nom d'une série, tu vois? Non, moi, je dis... C'est pas du hasard. Muganjo et le reste du monde. Voilà, là, on est bien. Non, je veux que l'on blessé. Bande de sorciers. Non, tu vois, c'est encore un coup du Ghana, ça.
Non, voyez ce que vous faites, le Ghana, vous voyez. Putain. Ah, Dembé, putain. Aïe, aïe, aïe. Propre. Je sais même pas si je suis en division 8 ou en division 10 ou en division 20. C'est quoi le match? Il est fini là, ça fait trop longtemps là. Hein? C'est quoi ça? Wesh Lopez? Bref, on avance petit à petit en division 8. Peut-être la prochaine vidéo sera en division 7 ou je sais pas, ça c'était pas comment je vais jouer. Bref mec, like, partage, abonne-toi. Hey, fais partager la chaîne. Je sais que tu m'aimes bien, je sais que tu veux me garder pour toi tout seul, tranquille, ok. Mais fais partager au moins. Peace. Et si on flambe tout, what do you? Et si on flambe tout.